que les trains sont repartis. Je devrais demander à Oncle Aaron. Quoi? Oui, Monsieur Davis. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. C'est l'Underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter du uniforme? Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas de marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon Plaza a été ajouté. Alors, il pourrait l'utiliser de façon clandestine. Je vais y regarder de plus près. Vous me parliez d'un frère? Vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. J'ai dû faire des changements, comme prendre ce boulot. Mais il me manque. Surtout mon neveu. On faisait du son ensemble. Peut-être que vous pouvez le revoir maintenant. Enfin, les revoir. Votre famille. J'espère, petit. Bon, je vous laisse. Je dois combattre l'Underground. À plus. Et salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro, j'espère que tous vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man Miles Morales. J'espère en tout cas que vous allez bien. Ça a l'air fonctionné, j'ai fait au moins 4, 5, 6 fois, j'essaie de tourner cette séquence. Je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème, je sais pas, le jeu crash. Quand par exemple, ben je record en fait avec Nvidia Reflex, quoi. Enfin, avec le truc d'Nvidia quoi, tout simplement. Et là ça a l'air de bien fonctionner, donc ça va. Et hop, toi tu meurs. Donc je vois ce qui se passe, mais je pense que quand j'utilise en fait l'encodeur Nvidia, quand j'utilise l'encodeur Nvidia, bah ça fait crasher le jeu. Donc là je record en H264, histoire que ça soit un petit peu plus, enfin que ça fasse pas bugger le jeu quoi. Bon après vu que de toute façon à côté, ah attention. Allez, prends ça dans la gueule, toi. Vu que de toute façon, j'ai un processeur, c'est, je crois qu'il a 8 coeurs. C'est à 8 coeurs, donc voilà, je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Oh, mais écoutez, on va essayer de s'amuser un peu. Oula, attention, toi, je t'esquive. Allez, hop. Et ça, c'est fait. Attendez, les trucs électriques, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Attention. Ça c'est cool ça. Là tu meurs. Allez hop. Un petit coup de bing baboum. Je pense qu'à mon avis, ouais, de record et en même temps de dire à ma carte graphique de, d'encoder la vidéo, je pense que c'est pas les bons bails. Hein. Donc j'ai décidé de faire autrement. Hein. J'ai décidé totalement de faire autrement. Et là, bam. Y en a d'autres, non? Ah mais faut aller dans le bureau alors, d'accord. On va aller par là. Donc voilà, bah, ça m'a fait triste parce que je me suis dit putain, attends, j'ai le PC qu'il faut et tout, mais non. C'est leur chef, d'après Oncle Aaron. Donc voilà, j'ai dit c'est quand même bizarre que j'arrive pas à faire tourner le jeu à fond. Bon en effet. Oui, comment tu vas faire? D'accord, donc il faut que je vienne là. Et que je fasse ça. Non, c'est pas ça. Non, si, c'est ça. Ça marche. Je suis presque. Non, c'est l'autre là-haut là qu'il faut faire tomber, non, c'est ça. Attendez, c'est pas très. On va les mettre en face. Ah là! D'accord, et l'autre là j'en fais quoi? Mais je le tire? Non, faut que je le pousse, c'est ça non? Attendez, c'est pas évident ça, c'est pas clair ça. C'est pas clair hein! Mon père m'a jamais dit ce qui s'était passé. C'est quoi qu'il y a là-haut? Ça devait être grave.
Je fais quoi là? Ah là. Ah oui oui non mais d'accord. Doit être bon là. L'underground cherche des cargaisons de Nuform et après le métro. Ils veulent peut-être empêcher le Nuform. Oui là non, je suis bon là. Je aligné les trois wagons devant le tunnel. Ah. Ah mais ah oui d'accord, j'ai compris. Et en fait, il faudrait que je les aligne tous les d'accord, j'ai compris. Donc faut que j'aligne celui-là. Non mais eux non, j'ai rien à faire avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je comprends rien. Là je comprends rien sur cette sur ce truc là, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh, attendez. Peut-être le pousser. Ah, attendez, il y a un truc là. Non? C'est pas ça, c'est pas clair. Déplacer. Ah, d'accord, d'accord! Et faire pareil avec l'autre! Mais oui, mais Ah, putain, mais je suis con. D'accord, j'ai compris. Ok, ouais, mais... non, il faut que les trois soient alignés, c'est ça? Faut que les trois soient alignés. D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je regarde si dans le jeu le lag pas, ça va, c'est bien. Bon, vous avez le 60 FPS d'activer. Hein. Donc toi. Voilà. Ensuite, on le tourne pour qu'il aille voir l'autre. On est d'accord, hein. Boum! Ça y est. Les wagons sont sur la voie. D'accord. Ouais, bon, j'ai compris, hein, courant, donc... Ils ont saboté les commandes. C'est pas le générateur. Voilà, il y a du courant. Nickel. Pour alimenter les trains. Enfin, j'espère. Mes toiles sont conductrices. Oui. Utiliser R. Donner la touche visée, tirer une toile, conductrice. Oui, mais... Ah là? Oui, et après, faut que je vise là. D'accord. Ah, mais c'est pas con, ça! D'accord. Moi, j'étais en mode EJSF un peu, là. J'étais là en mode, je comprends pas trop ce qu'il vous faut, allez! C'est quoi? C'est pour moi? C'est la moindre des choses, vu que tu viens de m'éviter de perdre mon boulot. Cool. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Tu viens d'arriver en Europe. Comment se passe ton premier jour de Spider-Man en solo? Plutôt bien. Très bien, je démarre très bien. Classique. T'as un plan? J'improvise un peu comme ça vient. Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man? Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil. L'autre côté de l'Atlantique, mais ça y est. Ça marche. Oh, et merci pour le cadeau. C'est mortel. Oh, je dois y aller. Bye.
En vrai, le jeu est vraiment cool. C'est assez cool comme jeu, hein. T'as juste rien à un truc. Ouais, le DLC s'est activé, ça c'est bien. Ça c'est plutôt good. Non, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment cool. En vrai, il faudrait que vraiment je fasse Spider-Man Remaster. Que je fasse celui-là aussi en let's play, ça pourrait être vraiment cool. Donc, bah, écoutez, on va aller par là-bas. Il n'y a pas un truc où il peut y avoir, par exemple, moi je sais pas, des méchants qui viennent, voilà. Pour être intéressant, non, comme pour sur le premier. En tout cas, je ne redirai jamais assez, mais New York sous la neige, c'est génial. Ça renvoie vraiment du lourd. Allez, on va aller par là-bas. Il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Tu veux toujours sortir? Bien sûr que je veux sortir. Allez, j'arrive! Spider-Man est là! En fait, t'as vraiment. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. C'est que tu te promènes où tu veux et quand tu veux, quoi. Ouais, c'est le bordel! Bon, de toute façon. Vous êtes nul, je vous éclate la gueule. Voilà. Ils vont faire sauter toute la ligne. Pas si je m'en occupe. Tac, ça c'est fait. Ah, les coups de grâce sont tellement géniaux. Là, tu meurs. Toi, tu meurs. Okay. Maintenant, les bombes. Mais ils sont là. Essayons les toiles. Voilà, donc c'est comme dans le premier, en fait. Hein. Je m'en occupe. Pourquoi du tu? C'est par là, alors. Toi, tu crèves. Toi, tu meurs. Ça, c'est fait. Toi, il y en a partout. Toi, tu meurs, toi. Prends ça dans la gueule. Toi, tu meurs. D'accord, il en reste qu'une. Toi, tu crèves. En fait, c'est son truc bioélectrique, là, c'est vraiment classe, quoi. J'aime beaucoup. Alors, hier soir, vous découvrez que l'uniforme passe par le métro, et aujourd'hui, vous attaquez le métro. Tac, tac, crève, toi. Non, mais ils font mal, hein! Waouh, je fais mal celui-là! Tiens! Oh putain, j'ai cru que je vois plus y arriver! Et je me heal! Et on va faire ça! Là, c'est bon, je le finis, je le termine! Je te termine. Bam, prends ça dans la gueule. Et tu crèves. Voilà. Ça, c'est fait.
débarrasser de l'underground. Quitter la zone. Ah non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Prochain métro dans 5 minutes. Merci de vous éloigner de la bordure du train. On a réussi, c'est bien ça. Ok, on gagne de l'XP. Appuyez sur un pour. Ici, vous pouvez voir toutes les ressources que vous avez acquises. Utilisez les ressources que vous avez récoltées pour créer un nouveau mode en le sélectionnant maintenant bouton A. Donc en faisant ça, d'accord. Nouveau mode, revenez plus tard pour en débloquer d'autres et pour équiper d'autres modes. Ça fait quoi celui-là? Il n'y a pas un truc pour savoir qu'est-ce qu'il fait? D'accord, donc on résiste à plusieurs dégâts de mêlée. Ok. Hélas, que je peux pas en prendre un. Ça c'est bien, et là, on prend celui-là. Il va y avoir quand même pas mal de tenues, ça c'est assez intéressant ça. On va garder celle-là, on va garder celle-là. Quoique celle-là elle pourrait être stylée. Hein. En vrai celle-là elle est stylée, celle-là c'est celle du film. Non, on va garder celle-là, elle est quand même pas mal. Gadget, fais voir. Et donc j'ai rien débloqué encore. Est-ce que ça va, monsieur Davis? Ouais, grâce à toi. Oh tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul L. Comment t'as... ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant, t'étais rapide. Maintenant, t'es une flèche. T'en fais pas. Je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi. Si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man? Non, je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois. Et il t'a confié la ville? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok? Ça marche. Merci. C'était vraiment adorable à voir. C'était vraiment vraiment adorable à voir. Donc son oncle sait qu'il est Spider-Man, enfin qu'il est le second Spider-Man en fait. Donc ça c'est adorable. Attendez, on a des nouvelles quêtes. Alors fais voir pillard, où est ma voiture? Crime, trafic d'armes. Et on peut pas les choisir juste comme ça en fait, non? Faut qu'on passe par l'application? Hola, mijo. Juste pour te dire que mon food truck préféré sera au rassemblement ce soir. Cherche un logo avec un kebab géant. Ok, merci pour le tuyau. Hé hey, maman, je voulais te demander, vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem, t'as entendu parler de l'Underground? Oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxxon. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leur histoire, j'espère. Non, non. Oncle Aaron m'a déjà prévenu. Ouais, je suis croisé à la station de métro près de chez nous. Ah, il y a un climat court, on va aller le fort. Tu savais qu'il là-bas? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fasses. Eh, mais pourtant, ils sont... il y est pour rien, lui. Non, c'était pas par là, en fait. C'est quoi ça? D'accord. Ok, c'est un truc, voilà. Ah, il va falloir chercher alors derrière. Ouais, donc on va peut-être le savoir ça au cours de l'épisode, pourquoi ben, sa mère ne veut pas qu'il fréquente son oncle, quoi.
Surtout que son oncle a quand même grillé que c'était Spider-Man, quoi. Je pense qu'il va être vachement intéressant, ce jeu. Alors, bon, vous crevez. Tac, vous meurs. Toi, tu meurs. Allez, hop, final. Ouais, il me plaît Spider-Man, il me plaît franchement Spider-Man. Allez, tu crèves. Bon, en vrai, Spider-Man, ça a vraiment été mon... Enfin, j'ai pas vraiment lu les comics, mais ça a quand même été mon héros de Marvel préféré. De par le dessin animé qui passait à l'époque sur TF1, l'incroyable Spider-Man, qui était juste excellent. Avec l'excellent film de Sam Raimi, Spider-Man, la trilogie, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai bien aimé... d'accord, donc, faut faire ça. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi les Amazing Spider-Man, perso. J'ai bien aimé les Amazing Spider-Man aussi. Et alors, Spider-Man No Way Home, enfin... J'ai regardé Homecoming, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas regardé Far Far Home, mais j'ai regardé ce qu'ils ont fait avec... j'ai bien aimé No Way Home, j'ai adoré surtout le plot twist avec les deux Spider-Man des deux autres films. J'ai trouvé ça vraiment excellent et vu comment ils l'ont mené, c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et le Spider-Man Into the Spider-Verse avec Miles Morales aussi, j'ai trouvé ça vraiment bon, quoi. J'ai trouvé ça vraiment bon. Écoutez, on va aller faire le crime en cours. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il faut que je fasse attention. Parce qu'en règle générale, maintenant... Enfin, ça m'arrive avec Sonic. J'ai pas diffusé l'épisode correctement. Attention, on va passer un problème. On va leur sauter dessus. Et toi, tu crèves. Ah, meurs, toi. Ah, putain, voilà, c'est bon, j'ai fait le final. Ah, oh, le bug. Oh, ce bug. Oh, lol. Oh, MDR. J'ai adoré le bug. Meurs, toi. Toi, crève, toi. Touche pas à ce camion. Mais je pense que Spider-Man en a vraiment kiffé. Grâce à l'animé sur TF1, déjà. C'était excellent. Déjà rien que ouais, à l'animé qui passait sur TF1, qui avait un générique du tonnerre. Attends, oula. Oh non, merde. Je voulais pas qu'il meure. Je ne voulais pas qu'il meure. L'animé, ouais, sur TF1, qui était juste génialissime. Et surtout, en fait, là où ce que j'ai vraiment adoré... Non mais attendez, j'ai des points de compétence à mettre. J'ai des points de compétence aussi, j'ai complètement oublié ça. Ben là, je peux pas encore en mettre. On va en mettre là. On va en mettre là. Non, ici. Retour pour éclair. D'accord. C'est quoi ça? Y. Alors maintenant, Y. Ok. Là. Ici. Est-ce que je peux en mettre là? Aussi. Et de l'autre côté. Et normalement, on devrait pas être trop mal. Ouais, ça a été via l'animé sur Spider-Man, ouais. Tu parles de quoi, toi? Mais je suis en train déjà de swinguer de building en building, viens pas me faire chier avec tes questions existentielles, toi. Franchement, j'y m'en fous. Enfin bref, en tout cas, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais plus c'est quel épisode. Ouh, ça c'était stylé ça.
Je crois que c'est l'épisode 3, oui, parce que l'épisode 2, on l'avait fait avec la biscotte et puis la frite. Ben, ça sera l'épisode 3. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. C'était Kintao et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde!